Si ce que tu dois dire te dépasse, alors boucle, ferme ta bouche, garde le silence. Tel est le slogan de la majorité de mes followers. Et vous savez, beaucoup pensent que je les manque du respect. C'est la raison pour laquelle j'ai même décidé. Et là, je suis vraiment sérieux. Je ne réponds plus aux mauvais commentaires. Pour moi, c'était un jeu. Mais j'ai compris que les gens n'ont pas compris que c'était un jeu de ping-pong que je faisais avec eux. Les gens ont pris ça vraiment au premier degré. Donc j'ai arrêté. Je ne réponds plus aux mauvais commentaires. Et moi, je ne veux pas perdre moi, mes fans. Moi, je ne veux pas moi perdre mon public. Donc, je reste dans ce qui nous a unis. Ce qui nous a unis, les rires. On reste dans ce cadre-là. Ne demandez plus que Franco intervienne sur un truc. Par exemple, intervient, ce n'est pas comme vous voulez. Et comme moi, il ne peut pas intervenir comme vous voulez, mais on reste dans le concept qui nous unit, n'est-ce pas? Donc, je ne veux pas perdre un de mes abonnés. Vous êtes trop cher pour moi. Je dis tout, mais vous êtes trop cher pour moi, les gars. Vous nous avez mis de la pression, il faut parler, il faut parler, il faut parler. Quand nous, on parle, vous nous obligez de dire ce que vous voulez entendre. Donc, c'est qu'il n'y a pas la liberté. Si on doit parler et recevoir que les injures, je pense que le mieux, c'est de garder le silence, comme vous dites, et de garder le silence comme d'autres que vous critiquez, qu'ils gardent le silence. Font. Parce que s'il faut parler et qu'on interprète et qu'on prenne tes dits au premier degré sans analyser, sans comprendre le sens, la profondeur de tes propos, le mieux, c'est d'observer et prochainement, je vais moi seulement observer. J'ai supprimé ces posts-là sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller contrôler. Ma chaîne YouTube Franco Le Mignon, j'ai supprimé. Allez regarder. Parce que c'est là-bas que ça me donne de l'argent. C'est YouTube qui me donne de l'argent. Facebook ne me donne rien. J'ai laissé ça sur Facebook parce que supprimé ou pas, je ne paie rien, je ne gagne rien. J'ai laissé ça sur Facebook comme sur YouTube qui me rapporte. C'était la preuve que je ne fais pas ce genre de contenu pour gagner de l'argent. Cependant, moi, je respecte mes fans. Je respecte tous ceux qui me regardent, tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui me soutiennent. En aucun cas, je peux manquer du respect à un fan. Et quand je fais une publication, je vois déjà dans les 90, 80, 90% de commentaires contre moi, je suis dans l'obligation de faire marche arrière et de voir, puis de comprendre que les gars ne comprennent pas le sens. Parce que moi, j'ai développé une stratégie pour faire passer mes messages, pour communiquer. C'est-à-dire que j'oriente les gens à gauche. Pourtant, ma cible est à droite. Seuls ceux qui ont ça comprennent ma façon de d'intervenir. Il y a des choses que je ne vais pas venir vous dire ici. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Je ne peux pas vous expliquer ma technique de communication comme ça. J'ai ma stratégie seule que j'ai développée pour faire passer mon message sans heurter, sans provoquer qui que ce soit. Vous comprenez? Mais je m'accroche peut-être sur X, alors que ma cible c'est Y. Mais vous ne comprenez pas. Vous vous orientez que sur X, sur X, sur X, sur X. Or, ce n'est même pas X là que je calcule. C'est Y, c'est Z que moi je suis en train de calculer. Mais j'oriente les gens vers X. Le jour que vous allez comprendre ça, vous n'allez plus trop vous plaindre de Franco. Je sais bien ce que je fais. Et comme vous ne comprenez pas, par respect, parce que je vois d'autres disent que si tu continues comme ça, vraiment, on va. Non, je vais arrêter. Je vais continuer mes 5 minutes de rire, comme ce qui nous a unis depuis le début. Je continue avec, je n'interviens plus. Et si j'interviens, c'est la pression que des gens ne font que m'envoyer les messages. Vous venez m'insulter sur Facebook, comme je vous ai dit. Oh, mon WhatsApp ne respire. Je reçois parfois les 200 messages, 300 messages par jour. Oh, interviens, ceci, vont vous. Pardon, pardon, fais ceci, fais. Quand je parle, on dit maintenant que franchement, ferme ta bouche, que je dis du n'importe quoi. Je vais seulement dire ce que vous allez entendre, papa. Donc, vous voulez seulement qu'on raconte, on dit seulement ce que vous allez entendre. Dans ce cas, mieux je garde moi mon silence comme les autres, donc je ne parle plus. Donc, si vous ne voyez plus intervenir sur un sujet, sur un truc, ne dites pas que Franco est où. Non, moi, c'est l'étude des 100 questions, alors que je vais donc parler. Parce que c'est là-bas, donc, quand on parle, on n'a pas de souci. Quand on vient intervenir sur un truc, que, franchement, quand vous dites que c'est pour aider la jeunesse, et vous voulez absolument qu'on parle ce que vous voulez entendre. Dans ce cas, moi, je garde moi le silence, les gars. On est ensemble. On continue. Dans ma web série, le Ben Sinon Malchanceux arrive bientôt. La saison 2, c'est les tuer pour tuer, les gars. Donc, on va rire là-bas jusqu'à. Donc, on reste donc là.
je me concentre sur ma web série maintenant. Hein. Et bien, 5 minutes de rire. Vous comprenez, non? Le truc là, le truc qui concerne, je ne suis plus là. Comme vous avez dit, c'est vous qui avez insisté comme ça. Et je respecte. Donc, je ne suis plus là. D'accord? On est clair, non? Donc, ne venez plus écrire en commentaire que Franco parle de la situation de tel, parle de. Je laisse donc les concernés. Comme vous avez dit, que ce n'est pas à mon niveau. Ce n'est vraiment pas à mon niveau. Je laisse-moi tomber. Ce n'est pas mon niveau. Ok? Ok. S'abonnez-vous. Et entre-temps, n'oublie pas de contacter l'entreprise PTS en cas de besoin de voyage. Si vous voulez voyager, si vous avez besoin de visa. N'oubliez pas de contacter Patrick Travel Service. Je vous conseille l'entreprise PTS. Patrick Travel Service. Patrick Travel Service est cette entreprise spécialisée dans la vente des billets d'avion. Comme vous voyez sur l'affiche, là sont les différents pays. Donc, si vous souhaitez aller visiter ou aller travailler ou aller étudier dans l'un des pays là, contactez Patrick Travel Service. PTS vous accompagne dans la constitution de vos dossiers, l'accompagnement de vos visas jusqu'à l'accueil dans votre pays où vous souhaitez aller. L'avantage, c'est qu'il t'accompagne dans ta démarche de visa. Tu obtiens ton visa et tu payes tout une fois quand tu es dans ton pays d'accueil. Et n'oubliez surtout pas qu'ils ont un représentant dans chacun de ces pays. Et ça ne concerne pas que les riches, hein, même les moyens et les pauvres. Avec ou sans niveau scolaire, contactez PTS. Et vous permet également de chercher le logement ainsi que l'emploi. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations ou plus de détails. Ou alors, tapez juste le site là pour avoir plus d'informations. Ok, s'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.